L'Agence de développement agricole est l'un des acteurs majeurs de développement du secteur des dattes, à travers ses interventions et ses actions traduisant son rôle fondamental dans la concrétisation des ambitions stratégiques tracées pour le secteur agricole, notamment dans le cadre du plan Maroc Vert. C'est dans ce contexte qu'intervient la participation de l'ADA à la 10e édition du Salon international des dattes au Maroc, SIDAT 2019, qui se poursuivra jusqu'au 27 octobre 2019 à Erfoud, sous le thème « Palmier dattier, levier de l'emploi et pilier de l'économie oasienne ». On intervient sur trois axes principaux. Le premier axe, il concerne la promotion de l'investissement dans le secteur du palmier dattier. Deuxième axe, il concerne également notre intervention en matière d'agriculture solidaire, pilier 2 du plan Maroc Vert, notamment pour la densification et la réhabilitation des oasis. Nous travaillons également sur un troisième axe ce qui concerne la valorisation et la commercialisation des dattes. L'agence prend part à cet événement phare du secteur phénicicole marocain à travers un stand au niveau du pôle institutionnel de ce salon. L'ADA est notamment chargée de proposer aux autorités gouvernementales des plans d'action relatifs au soutien de l'agriculture solidaire à travers la promotion et la mise en œuvre de projets économiquement viables en vue d'améliorer le revenu des agriculteurs. Beaucoup d'efforts ont été faits ces 10 dernières années en matière de construction et d'équipement des unités de valorisation, de conditionnement et les entrepôts frigorifiques des dattes au niveau de tous les oasis du Maroc. Ça d'une part. On travaille avec les coopératives, les groupements d'intérêt économique en termes de mise à niveau, en termes de formation sur la qualité, sur tout ce qui concerne la sécurité sanitaire, mais également sur tout ce qui concerne le packaging. Et on travaille avec eux pour l'accès au marché, notamment les marchés modernes de la grande distribution, les GMS, marchés solidaires, et également pour l'export. L'impulsion des initiatives du PMV, la promotion et le renouvellement de l'offre Maroc, le lancement des projets concrets, l'intermédiation, le suivi et monitoring de l'implémentation et la gestion des partenariats avec les investisseurs institutionnels et sociaux sont au cœur des missions confiées à l'ADA. Elle veille, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir, au lancement des différents chantiers et programmes dans un objectif de développement de la chaîne de valeur des produits du terroir marocain sur le marché national et international.